deux équipes. Un moment très important, évidemment. Laquelle des deux équipes va prendre le dessus? C'est ce qu'on va voir. Bonjour à tous, quel plaisir de se retrouver ici. Nous sommes dans l'un des meilleurs stades au monde, le BVB Stadium. Dans la cabine de commentaires, celui qui est passionné par la chanson française et qui m'accompagne depuis trop longtemps maintenant, Omar Da Fonseca. Au programme, première journée dans cette Euro 2024, l'Albanie affronte l'Espagne. Au de l'Albanie. Position assez offensive avec son 4-5-1 ou alors 4-2-3-1. Enfin, on verra bien. Tout ça, ce sont que des. Quel plongeon pour reprendre ce ballon! On le revoit sur ces images, ce centre départ bien appliqué qui surprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un but. À la tombée du ballon, c'est repris de la tête, ça part au fond des filets. Magnifique! La frappe est bien contrée! Regarde, ça va, donc on saisit le ballon. Grimaldo à la réception. Ouais, c'est bien vu, c'est bien joué en pleine surface de réparation. Et but! C'est au fond! Un nouveau but qui terrasse l'adversaire! Domination totale! Quel beau match! On le voit, le centre qui part, tout le monde qui regarde et qui lâche son adversaire direct des yeux. Et voilà le cabezazo, la tête qui vient conclure un mouvement très intéressant et envoyer le ballon dans le but. Ferran Torres. Le centre dans la boîte, dans la surface de réparation. Oui, c'est bien fait, le danger est écarté. Le réflexe sur ce ballon. Le Normand. La bonne percée, il faut aller provoquer. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. La frappe de Morata. Intervention réussie sur ce ballon. Rodri, Mikel Merino bien placé. Merino, c'est trop facile à maîtriser ce ballon. Ah, il y a une bonne transition en attaque à négocier. Il y a de l'espace, il faut en profiter. Il vient alourdir un peu plus l'addition. 3 buts d'écart maintenant. Regardez, tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur, c'est parfaitement bien mené. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, à fixer la défense et à conclure tout en classe. Olé! Et ce ballon passe juste à côté du cadre. La communication est là. Et voilà le but dans une cage désertée. Ça devait arriver et c'est bien joué d'en profiter. Le réalisateur qui nous remonte cette frappe dans le but vide, ce n'était pas le but le plus difficile de sa carrière. C'est terminé, on va donc en rester là avec une bonne nouvelle pour l'Espagne qui s'impose. Et oui, quel match, quel succès! La victoire se laisse séduire par le talent, c'est le plus beau des spectacles. Aujourd'hui, il y avait Nico Williams et il y avait les autres. C'est vraiment une prestation très convaincante de sa part. La qualité est là sur ce but. On l'a vu. C'est évident. Le talent, il ne se cache pas. Il se proclame. Il ne faut pas banaliser sa performance.